Tu vois, hein, les deux héros tombés sur la poitrine d'une vieille femme est un témoignage pour les jeunes femmes. Hein? Donc mon conseil pour vous les hommes est voici. Aimez vos femmes comme vos concubines. D'après tout, ce dont vous jouissez auprès de vos femmes est la même chose qu'elles possèdent aussi. Franchement, tu as raison. Qui te poursuit? Il a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Mokeke et sa femme. Il veut tuer Adana. Adana? Qui est Adana? Ils veulent vraiment tuer cette petite fille qui n'a pas de parents. Hein? Est-ce que c'est vraiment normal cette affaire? Ce n'est pas juste. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Qui tue qui? Naï, Adana c'est la fille de Tchemas. Sa mère est de ta tribu. Sa mère était celle qui était morte en donnant naissance à la fille du défunt Okeke. Oui, la fille du défunt Okeke. Ok, je me souviens maintenant. Ouais. Mais est-ce que l'enfant a survécu? Oui, elle a survécu. Elle est maintenant grande. Seulement que l'unique frère de sa mère et sa femme sont en train de la maltraiter comme pas possible. Oui, Naï, une fois je suis allé la défendre. Je leur ai parlé. On a discuté pendant longtemps. Mais il continue à me dire d'aller m'occuper de mes affaires et celles de ma famille. Hein? Ce matin, elle venait du ruisseau, où elle a fait 12 tours. 12 tours, je vous dis. Et quand elle voulait manger, la femme de Mokeke l'a tabassée sérieusement. Elle l'a fouettée. Elle a même des cicatrices. Pouvez-vous imaginer? C'est pourquoi je n'ai pas rappelé les jeunes pour qu'ils viennent les tabasser aussi. En tout cas, il n'est pas nécessaire d'aller appeler les jeunes. Je me souviens maintenant, sa mère était tombée enceinte à cause de son imprudence. Et nous ne savons pas le gars qui l'a fait tomber enceinte. Jusqu'à ce qu'elle mourut lors de l'accouchement ce matin-là. Mais c'est pour cette raison qu'il faut la tuer? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Non, c'est un problème sérieux. Oui, si elle continue de vivre dans cette maison, ils vont la tuer. Il lui rappelle tous les jours combien sa mère était insensée pour avoir donné naissance à une bâtarde comme elle. Namdi, tu sais quoi? Allons voir ses grands-parents. Ok. Allons-y. Allons voir ses grands-parents. Allons-y. Ah, non, ce n'est pas juste. Arrête! Je dis arrête! Maintenant, réponds-moi. Est-ce que cette fille est un être humain ou bien un animal? Pourquoi me poses-tu cette question bête, Angoumba? Écoute, si tu lèves encore ta voix, je te retirerai l'épée là et déchirerai ton corps comme toi et ta femme l'avez toujours fait à cette fille. Regardez une orpheline qui pleure le long de la route à cause de votre méchanceté. Ne sais-tu pas que cette fille ici grandira un jour et deviendra une femme élégante à un homme élégant? Angoumba, ne m'insulte pas. Le fait que ta mère et la mienne sont du même clan ne te donne pas ce droit de me parler comme bon te semble. Oh, elle vient aussi du clan de ma mère. Et alors? Je ne vais pas te laisser la tuer. Je ne vais plus te laisser la faire pleurer et elle ne va plus habiter chez toi. Tu mens! Elle est la fille de ma soeur et ça ne te concerne pas. Mon kéké, tu l'as beaucoup maltraitée. Trop, c'est trop. Elle n'est pas ton esclave. Oui, elle ne l'est pas. Je suis venu te parler. Dans ma ombre, je t'ai dit combien c'était mauvais. Mais tu n'as pas voulu écouter mes conseils. Toi et moi savons qui est Agumba. Vas-y, ose les défier. Tu vas le regretter. Je ferai ce que je veux et rien ne va m'arriver. Oui. Ok, viens ici. Et toi, reviens ici. Non. Tu... Je dis reviens! Arrête ça! Tu ne vas pas mettre ta main sur elle. Ce n'est pas un animal, c'est un être humain. Elle viendra avec moi. Ça suffit comme ça. Elle viendra avec moi. Toi, reviens ici. Agumba! Agumba! Tu vois, Tu vois ce que tu fais. On te lève toi, non? Agumba. C'est qui? Bonjour, Dantine. Ferme-la. Est-ce que c'est la manière la meilleure de me recevoir dans ma maison? Je viens te poser une question à laquelle tu n'as pas répondu. Qui est cet enfant? Veille sur ta langue. C'est ma maison ici. Alors j'ai le droit d'amener quiconque je veux comme ça me plaît. Ada, entrez, assieds-toi. Si tu oses faire entrer ces sales pieds que tu as dans mon hutte, Ikoro dit qu'il va te tuer maintenant ici. Je dois être informée quand tu amènes quoi que ce soit dans cette maison. Allez, retourne là d'où tu l'as prise. Je vois que tu abuses de ma largesse dans cette maison. Je peux tout tolérer, mais pas le fait de la toucher. Touche-la et tu verras ce que je te ferai. Touche-la et tu verras de quel bois je me chauffe. Touche-la si tu es vraiment une femme. Touche-la. Touche-la. Ça veut-il dire que mon cas est différent? Qui est-ce que j'ai offensé? Est-ce que j'avais forcé ma mère de me mettre au monde? Je devais mourir avec ma mère. Maintenant, je suis devenue un sujet de trouble pour d'autres personnes. Non. Adam, ne fais pas ceci, s'il te plaît. Ne fais pas ceci, je hais les larmes avec passion. Hein? S'il te plaît, ma chère, ne fais pas ceci, tu es dans les mains sûres. Et tu es aussi libre dans ma maison. Ne regarde pas ma femme. Hein? Ne la regarde pas. Mais elle ne veut pas de moi. L'ai-je offensée? Je préfère rentrer dans la maison de mon oncle et mourir là-bas. Parce que je suis la cause de problèmes entre vous et votre femme. Vous êtes un homme très bon. Regardez comment vous inquiétez pour une petite fille comme moi. Les dieux vont vous garder, Nam. Merci beaucoup. Je m'en vais. Non, tu ne peux pas. Tu vois, tu es du clan de ma mère. Un même sang coule dans nos veines. Je ne peux pas te laisser partir. Après toutes les menaces que j'ai faites à Okeke, il t'étranglera. Je renverrai plutôt ma femme que de te laisser partir. Cette maison m'appartient. C'est moi qui ai construit cette case. Lève-toi et entre. Merci beaucoup, Nam. Les dieux vont vous bénir. Merci beaucoup. J'aimerais partir là où on avait enterré ma mère. Je vais lui dire comment vous avez sauvé sa fille. Merci beaucoup, Nam. Merci. Mais s'il te plaît. Je n'aime pas tes larmes. Je déteste les larmes comme je te l'ai dit. Lève-toi et entre dans cette concession. Vas-y, ne regarde pas ma femme. Né, nous sommes de retour. Né. Maman, tu as quoi? Maman? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Maman? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, que s'est-il passé? Est-ce que papa est de retour? Oh, Ouré, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Maman est en colère et quand je lui ai demandé de savoir ce qui ne va pas, elle n'a dit mot. Mon fils, laisse-moi te dire d'abord, sois le bienvenu. Merci. J'aimerais que tu sois un homme vrai. Ce n'est pas tout le monde qui a la virilité est un homme. Quelques-uns ne savent même pas pourquoi la virilité a permanemment un casque. Quelques-uns aussi ne savent pas pourquoi l'on n'éjacule pas les yeux ouverts. Je veux que tu sois un homme vrai. Un homme vrai qui peut uriner vers le haut. Un homme vrai qui peut uriner à travers la fenêtre. Les femmes ne peuvent faire aucune de ces choses. Tout homme dont la trompette est sonnée par la femme peut escalader le mur des démons. Ne te permets jamais de succomber aux pressions d'une femme. Elles peuvent décevoir, elles peuvent tuer. Papa, c'est confus, je ne sais pas, mais bon, je ne t'ai jamais entendu parler de cette manière. Qu'est-ce qu'il y a? Entre dans la concession. Et quoi que tu vois, viens me le faire savoir. Ça, ce n'est pas normal, maman. Ce n'est pas bien, hein? Comment est-ce qu'un homme peut emmener quelqu'un dans la maison sans pour autant te prévenir? Mbano, c'est pas normal. Ce n'est pas bien. Mais... cette fille doit quitter cette maison aujourd'hui. Elle doit partir d'ici. Des fois, ton père me dépasse. Ton père m'énerve. Il m'énerve à tout moment. Il me crée beaucoup de problèmes. Écoute-moi, Je ne resterai pas ici et voir cet enfant dans cette maison. Ah. Tu ne peux pas t'inquiéter. Tu as moi. Tu as ta fille. Alors calme-toi. Laisse-moi aller voir cette idiote. J'arrive. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu une fille. Et elle dit qu'elle est ma sœur. Comment? Je l'ai vue allongée quand je lui ai posé la question. Elle a dit qu'elle est ma sœur qui a perdu sa mère durant son accouchement. Et qu'elle a été maltraitée par son oncle. Elle m'a montré des cicatrices sur son corps, qui sont les résultats de plusieurs chicottes qu'elle a reçues. Elle t'a dit la vérité. La vérité est comme une lumière. La vérité est indépendante de l'opinion publique. Et si tu as lutté pour la vérité, même si tu as perdu, tu as gagné. Parce que la vérité est inchangeable. Vas-tu laisser ta sœur mourir? Vas-tu la laisser retourner à l'homme là? L'homme qui veut la tuer? L'homme qui lui a donné ses cicatrices? Non. C'est pourquoi ta mère est en colère. Elle veut qu'elle quitte la maison. Et quitter la maison veut dire retourner à cet oncle méchant. Non, père. Elle n'ira nulle part. Elle va rester ici avec nous. Je vois. Elle a faim. Va dans mon grenier et fais-lui quelques ignames à manger. Ok, père. Que j'aille lui chercher quelque chose comme tu l'as dit. J'y arrive. Ada, je veux que tu me fasses une promesse. Promets-moi que tu ne vas plus faire couler tes larmes. Ougo. Oui. Je ne vais plus pleurer, mais... si tu es en vie sans avoir une mère, sans père, personne qui peut parler pour toi, ne vas-tu pas faire couler les larmes? Non. Mais mon père est ici. Mon père est ici pour te défendre. Et je suis ici pour te protéger. Donc, ne pleure plus, ok? Essuie tes larmes. Je vais griller de l'igname accompagné de Obaka et du piment. Tu vas manger? Oui. Ok, attends-moi ici. Laisse-moi mettre de l'igname sur le feu. D'accord. Ra, je m'en fous de comment tu es arrivé ici. Ou qui t'a emmené ici. Va juste à l'intérieur. Emballe tes affaires et pars. Ok, je pars. Allez, fais les vies. Quitter pour aller où? Pour aller où? Hein? Si tu bouges deux pas de cette maison, je vais couper ta langue moi-même. Toi, c'est la dernière fois que tu t'adresses à elle comme ça. Elle est ta sœur. Hey, sans effet. Comment cette sorcière Dora peut être ma sœur? Ougona, dis-lui de partir. Sinon, c'est moi qui partirai de cette maison. Ça, c'est ton problème. Tu peux partir avec maman. Ne revenez plus et ne t'adresse plus jamais à elle. Et si je le fais alors? Que vas-tu me faire? Que vas-tu faire? Je te demande si tu sais ce qui va se passer. Si tu sais ce qui va se passer. Si tu sais ce qui va se passer, tu ne feras pas ça. Maintenant, dégage-toi. Tu ne vas rien me faire. Donc ça veut dire qu'Agumba l'a soulevé en haut et puis l'a jeté encore par terre. Ma soeur, tu aurais dû voir tout ça toi-même. Qui pouvait croire que ce que Mokeke était en train de dire était du mensonge? Bien, Agumba a amené Adana dans sa maison. Ça, c'est une bonne chose. Au moins, cette fille vivra en paix. Hein? Même si tous savons que la femme de Agumba est très méchante. Mais je pense qu'elle sera mieux là-bas que chez Okeke et sa femme. Tu vois cet homme, Mokeke, je le hais. Est-ce un crime pour qu'une femme tombe enceinte et qu'elle garde sa grossesse? Quand les autres inventent et saignent jusqu'à mourir, jusqu'à la disparition de la grossesse. Pourquoi trouve-t-il cette fille comme une esclave? Mon frère, ça c'est ta façon à toi de le percevoir. Oh. Si sa mère était vivante, les choses seraient différentes. Mais quand un enfant n'a pas de parents, le monde prend cet enfant comme un bien commun. C'est ça le problème, mon frère. Cette fille Adana a souffert. J'aurais souhaité pouvoir faire quelque chose pour elle. Mon cher, ce n'est pas bon. Dieu lui fera grâce. Il sait... je pense qu'il y a à manger parce que j'ai faim. Oui, il y a la nourriture à l'intérieur. Il y a la nourriture à l'intérieur. Hey! Bien. Hey. Où est-ce que tu as eu les ignames que tu es en train de manger avec cet animal? Hein? Maman, je l'ai pris dans la cuisine. Maman, Adana n'est pas un animal. Ouzo, où est-ce que tu as pris la permission pour prendre ces ignames? Et que tu as donné l'autorisation de manger avec cette folle? Hein? Mais, on est désolé, on peut remettre ça. Regarde-moi, c'est Petira. La prochaine fois qu'on sera en train de parler, tu réponds, je vais t'étrangler. Non, je suis désolée. Tu continues de parler. Je vais transformer cette maison en enfer pour toi. Orima. Oui. Jette-moi cette nourriture. Hein? Maman, tu dis quoi? Vas-y, ose, non. Vas-y, ose. Tu es un homme. Vas-y, ose. Essaye seulement, tu vas voir. Tu vas voir ce que je te fais maintenant, hein? Ça veut dire quoi ça? Tu n'as même pas honte, idiot, stupide, non. Vous devez produire la nourriture là que vous avez gaspillée. L'igname est à moi, le grenier est à moi. J'ai demandé à mon fils de préparer la nourriture afin que lui et ma petite fille puissent manger. Mais vous avez eu le culot de jeter cette nourriture. Hé, Unoma, si ta lumière est ténèbre, à quoi ressembleront tes ténèbres? Non, je ne vais plus permettre ça. Je ne vais plus. Amouifé. C'est assez. Amouifé. Ça veut dire quoi? C'est moi la femme de la maison. Tous les ignames qui sont dans le champ appartiennent à cette famille. Alors tu ne devais pas le prendre sans permission. C'est ça. C'est quoi ça? Acombade, okay. Acombade, pas de cette maison. Pour avoir versé cette nourriture, je te verserai aussi. Tu dois quitter cette maison. C'est de l'odeur du déchet que l'on imagine ce qu'est son goût. On verra. Calmez-vous. Hein? J'arrive, on verra. Non. J'arrive. Ne vous en faites pas. Vous verrez qui je suis. Faire que je lui donne une verge pour qu'il te batte. Hein? Crois-moi. Je vais te tuer. Je vais t'écraser. Apounou. Apounou. Et regarde Apounou. Ton père a dit que je veux partir d'ici? Partir où? Nanka. C'est moi qui suis la femme de la maison. Alors, ceci me donne le plein droit ici. Mon mari ne peut pas aller dehors juste prendre une personne et l'amener ici à la maison. Sans m'informer, sans mon consentement. Qui a dit ça? Je demande qui a dit ça? Es-tu maintenant la propriétaire de cette maison? Ou tu es soudainement devenu le chef de la famille? Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'il entend de faire des choses sans pour autant me consulter. Te consulter comment? Hein? C'est toi qui paie mes factures? C'est toi qui nourris cette famille? Donc, je ne peux plus prendre une décision dans ma maison. Hein? Donc, tu veux me dire que tu dois approuver toutes mes actions dans cette maison? Bah non. Hein? Écoute, je ne suis pas quelqu'un qui puisse être contrôlé par une femme. Mais tu veux... Agumbo, mais quoi? Ogini, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Hein? Tu parles à ton mari comme ça, à ma présence? Biko? Et tu me dis, Biko? Tu oses me dire, Biko? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ogum, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Dieu merci que tu es témoin de ceci. Regarde Agumba, un guerrier qui a lutté avec les esprits. S'est battu avec les lions, les tigres, avec les mains vides, ne peut plus prendre une décision dans sa maison. Hey, Weley! Né, je suis ton frère. Peu importe ce qu'il a dit, dis-le-moi. Dis-moi ce que Agumba a fait qui te dérange ainsi. Grand frère, merci. La fois passée, quand il est allé à la chasse, il est revenu avec un visage idiot et laid. Je n'avais pas parlé parce que j'ai cru que c'était une servante. Si il a eu un enfant en dehors de la maison, alors cet enfant doit rester en dehors de la maison. Lorsqu'il est revenu avec ses visages laids et idiots, si je peux emprunter tes mots, lui avais-tu demandé qui cette fille était? Il n'y avait pas question de demander. Il n'y avait pas question. Tu es ma jeune sœur. Je te dirai quand tu as tort et quand tu as raison. Agumba est ton mari. Tu aurais dû lui demander pourquoi il est rentré avec ses visages idiots et laids au lieu de l'insulter. Laisse-moi te demander, que veux-tu exactement? Grand frère, merci. Laisse qu'il retourne cet enfant d'où il lui a pris. L'atmosphère de ma maison a changé directement quand cette singe est venue. Si c'est ça ton idée au sujet de la fille là, donc après toi quitter ma maison. Ouais, c'est ça. Unoma, après toi à quitter. Unoma, écoute. Il n'y a aucune chambre disponible pour toi dans ma maison. Papa n'a laissé aucune chambre pour toi. Tu ferais mieux de vivre en paix avec ton mari. Tu comprends? Laisse-moi te dire une chose. Ces visages laids et idiots, te rappelles-tu encore comment on vivait lorsque papa et maman étaient morts? Si elles sont mauvaises comme tu le dis, pourquoi ne lui as-tu pas trouvé du savon pour qu'elle se lave? Je n'aimerais plus qu'on revienne sur ces sujets. Es-tu avec moi? Es-tu au courant de la petite fille que Ogumba a pris chez Okeke à cause du mauvais traitement de Okeke? Oui, je suis au courant de tout ça. Cette petite fille a vraiment de la malchance. Mba. Que veux-tu dire? D'abord, sa mère est morte pendant son accouchement. Et sa mère et son père sont déjà morts il y a longtemps. Elle reste maintenant avec le frère de sa mère, Okeke, l'âme la plus méchante de la terre. Et Agumba est venue la secourir. Mais sa femme, la plus méchante, elle ne laisse pas cette fille en paix. C'est ce que tu appelles malchance ou manquer de chance? Qu'est-ce que tu veux encore que je dise, ma soeur? Cette petite fille, qui est vraiment innocente, mais tout le monde cherche seulement à lui ôter la vie. Non, Cette fille, elle n'est pas comme toutes les autres qui palavrent ça et là. Elle pleure toute la journée. Ah. Je ne veux pas nous mettre en deuil ici, à Kogo. Tu sais que je suis très sensible. Chiyigwe, on doit aider cette petite fille. Nous devons l'aider. Comment? Comment? On peut l'aider avec la nourriture. On peut s'assurer qu'elle mange très bien. C'est une petite fille. Et un jour, elle va devenir comme nous. Elle souffre beaucoup. Ikem moi-même vient ici tous les jours avec les mauvaises nouvelles pour cette fille. Et mon esprit est rempli de larmes. On peut lui donner la nourriture. On peut l'aider aussi avec les habits. Ne le penses-tu pas? Tu as raison. Mais comment est-ce que nous allons faire ça? Agumba même n'a pas de problème. Mais tu connais sa femme, non? Cette femme est capable d'aller dans tous les villages et commencer à chanter nos noms, disant que nous sommes en train de courir derrière son mari. Mais, t'inquiète. Ikem va nous aider pour ça. Je sais que tu as un très bon cœur. Et nous sommes aussi ensemble, ma chérie. Adana ne peut pas dormir en famille. On ne peut pas l'abandonner parce qu'elle manque une famille. Elle a nous, toi et moi. Et je ne crois pas que c'est tout ce que tu appelles le malchance. Je pense que c'est la destinée. Un jour l'histoire changera. Oui, c'est possible. C'est ça la vie. Oh, Né, s'il te plaît. Ok, comme tu le dis. Dis à Ikena de venir chez moi et de prendre quelques ignames que j'ai. Au moins on peut commencer avec ça. Voilà pourquoi je dis toujours ça pour toi, hein? Voilà pourquoi tu dois rester mon ami pour la vie. Tu me comprends toujours très bien. Ma chérie, je t'aime beaucoup. Merci, les dieux t'entendent. Tu as dit que tu seras mon ami pour toujours. Et je vais encore le redire. Chinemere est mon ami pour la vie. D'accord. D'accord. Ok. Hey, Ada, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, apprends à contrôler tes émotions. Surtout souvent quand tu es en cours de route comme ça. Ce n'est pas bon que les gens te voient avec de larmes. Tu commences déjà à devenir une femme et la plus belle femme que tu es. Ne pleure pas. Tu sais quoi? Viens. Viens avec moi. Viens. Je dois aller puiser de l'eau pour la maman de Wima avant qu'elle ne puisse retourner. Et si je traîne, elle va me taper et me priver la nourriture. Je suis là. Personne ne va te taper. Hein? Ce qui est important, c'est que tu puises de l'eau qu'elle t'a envoyée. Eh oh, t'inquiète. Viens avec moi. Eh, attends. Tu pars avec ta tontine, alors tu dois essuyer tes larmes. Essuie-le. Ça suffit, hein, ma chérie? Pardon. C'est fini, ma chérie. Ma soeur, tu es là? Où est-ce que tu l'as rencontrée? Juste en route vers la rivière. Elle était en train de pleurer. Et je lui ai demandé de venir avec moi. Elle ne faisait que pleurer. S'il te plaît, va chez Tchémara. Dis-lui que je veux la voir. Ok, laisse-moi déposer ça à l'intérieur. D'accord, pas de problème. J'arrive. Dépêche-toi. Pourquoi ma mère m'avait laissé toute seule? Je devais bien mourir avec elle. Je n'ai pas de frères, pas des sœurs. Je n'ai personne. C'est comme ça vraiment la vie. Je suis née comme une bâtarde. C'est comme ça que mon oncle Okeke m'appelle toujours. Il m'appelait toujours une bâtarde. Tout ce temps que j'étais chez lui, il ne prononçait même pas mon nom. Mes sœurs, suis-je une bâtarde? Non, tu n'es pas une bâtarde. S'il vous plaît, répondez-moi. Ils ont jeté ma nourriture. Ils me chassent de leur maison. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mourir. Non, non, non. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Peut-être un jour, un bonhomme viendra t'épouser. Et tu auras ton propre foyer. Et toute cette peine va disparaître. Tu ne vivras plus ça. Quand est-ce que ce temps arrivera? Je suis fatiguée, je suis fatiguée. La seule personne que j'allais considérer comme mon père a mes dents de problème à cause de moi. Je suis très fatiguée. Né, ça suffit. Je te dis de ne plus commencer à te tourmenter. Tout ira très bien. Écoute, pleurer et sortir de larmes ne va rien te donner. Laisse-moi te demander, la maison des Okeke et la maison des Ogumba, hein? Quelle maison préfères-tu? Agumba et son fils Ogona sont bons chez moi. Ogona me donne toujours quelque chose à manger. Et Agumba me protège toujours. J'étais en train de pleurer parce que ils ont jeté ma nourriture hier et j'avais dormi enfamée. C'est ça. Et ce matin encore, Ougon a donné quelque chose à manger. Ils l'ont encore jeté. Et il m'a payé quelque chose. Et donc tu veux dire que la maison d'Angoumba est meilleure? À part Tunema et sa mère? Oui. Ça suffit. Arrête de pleurer. Ikem, cours vite à la rivière lui puiser de l'eau. Chinemere et moi allons lui faire quelque chose à manger. Merci beaucoup. Merci de tout cœur. Merci. Merci énormément. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Entre te reposer. Va dans la maison te reposer. La nourriture sera bientôt prête. Arrête de pleurer. Oui, je suis là. Déjà là. Non. Mmh. Merci pour de l'eau. S'il te plaît, appelle Adana. Dis-lui que la nourriture est prête. Ma soeur, tu ne vois pas que je peux lui apporter à l'intérieur pour que les gens ne la voient pas ici. Tu connais bien les troubles de Neurima. Qui est Neurima? A-t-elle un problème avec sa tête ou quoi? Allez, appelle la petite fille pour qu'elle vienne manger. En fait, il y aura la guerre entre moi et cette femme. Mmh. Ah, appelle la petite fille. Allez, mets ça ici. C'est quoi cette histoire? Mmh. Oh, comment elle est toute chouette. Mange. Quand ça... D'accord. Mange, hein? Je vais aller chercher de l'eau pour elle, hein. Je prends pour elle de l'eau à boire. Ok, vas-y. Ma soeur, c'est délicieux. J'ai amené pour toi de l'eau, hein. Tu vas boire quand tu vas finir. Laisse-moi le transporter pour toi. Terminer ma nourriture. Il ne va pas le finir. Hein? Il y en a encore assez dans la casserole. Ikem, toi aussi, calme-toi, c'est quoi ça? Ne termine pas sa nourriture. Regarde-moi. Hey oh. Hey, j'apprécie vraiment. Moi, je n'ai pas apprécié. Hein. Folle. Tu veux que je mange encore? Ah, monsieur! Oh! C'est maintenant que tu rentres, hein? Depuis le matin que tu as envoyé puiser de l'eau, c'est maintenant que tu rentres, hein? Ne viens voir la sorcière de retour! Mais, hein? S'il te plaît, viens d'abord! Viens ici! Espèce d'imbécile! Pas de sens. Pourquoi tu as pris beaucoup de temps comme ça? Si je te repose la même question et tu continues de m'ignorer, je vais t'écraser. Je n'attendrai pas qu'Inkoro me vienne en aide. Je te demande encore. Pourquoi tu ne m'as pas amené de l'eau à l'heure que je voulais l'utiliser? Je te demande encore. Pourquoi tu ne m'as pas amené cette eau à l'heure que je voulais l'utiliser? Tu ne parles pas? Regardez-moi cet enfant. Maman, pourquoi tu es comme ça? Au moins laisse-la aller décharger le canari. Elle ne peut pas faire ce long trajet depuis la rivière et tu vas la garder ici avec tes questions. Qui t'a invité dans cette affaire? Elle t'est devenue ton affaire? Hein? Je sais que j'avais promis de t'étrangler. Parce qu'une bâtarde comme toi ne peut pas entrer juste dans ma maison et commence à se comporter comme elle veut. Tu vois cette promesse-là, je vais l'accomplir aujourd'hui. Toi, maman, non, ne fais pas ça. Maman, vas-y. Maman, tu vas faire ça. Aujourd'hui, tu vas voir. Imbécile, laisse-la. Laisse quoi? Je ne pas ça. Laisse-moi dans le lot. Laisse-moi. Je ne pas ce que vous faites là. Maman, je n'aime pas ce que vous faites. Je n'aime pas ce que vous faites là. Si ma mère n'était pas morte, est-ce que les gens allaient me gifler de cette façon? Qui est-ce que je peux condamner, non? Dois-je blâmer ma mère pour m'avoir laissée toute seule dans ce monde? Ou je dois blâmer mon oncle Okeke pour n'avoir pas pris soin de la fille de sa sœur décédée? C'est ma destinée. Et je dois la prendre telle que ça se présente. Écoute, c'est pas ça ton destin. Ok? Ça se passe parce que papa n'est pas là. Si c'est qu'il est présent, elles ne vont jamais essayer ça. Tu vois comment j'ai réagi, non? C'était pour ta cause. Hein? T'inquiète pas, quand papa sera de retour, je vais tout lui dire. Non, non, ne lui dis rien. C'est mettre encore de l'huile sur le feu. S'il te plaît, ne lui dis rien. Ça va. Je ne vais rien lui dire, ok? Allez, viens. Arrête de pleurer. Ça va aller, ok? Tu as compris? Arrête de pleurer. Hein? C'est quelle partie? Tu n'as même pas honte. Papa? Ah! Nam! Nam, t'es derrière tout. Adam. Bienvenue, papa. Ougo. Ah, c'est comment? Son père est revenu. Prends. Ah. Papa, assieds-toi. Comment était ton voyage? Ah, je remercie Dieu. Papa, c'est sans vos habits. Mais qui l'a battu? Hein? Regarde. Attends. N'est-ce pas les traces des doigts de quelqu'un, quand bien même ça ne se voit pas clairement? Ougon s'est abattu. Qui l'a touché? Non, papa, personne ne l'a touché. Est-ce que quelqu'un t'a touché? Non, non. Personne ne l'a touché. Vous êtes sûr? Oui. Oh. Ça va, papa. J'ai acheté quelques pagnes de qualité pour vous deux. Vous savez quoi? Je veux que vous entriez là-bas, vous deux, vous échangez et je verrai qui est plus beau. Je serai très très belle. Donne-moi ça. Je suis très content de vous. Dépêchez-vous, je vais juger. Nous voici. Vous êtes très beaux, les gars. Oui, ça me sied plus que toi. Regardez Adana aussi. Adana. Oui. Vous êtes jolie. Papa, merci. Que le Dieu te bénisse. Amen. Papa, tu sais quoi? Ouais. Dans ma prochaine vie, si tu ne seras pas mon père, je refuserai de venir. Je viendrai quand tu décideras de venir. Mais tu seras toujours mon fils. Je te dis. Et tu seras aussi toujours ma fille. Non, il n'y a rien qui soit trop cher pour mes enfants bien-aimés. Je suis le plus beau. Non, vous êtes jolis tous les deux. Merci. Merci. Ouais, et les pagnes aussi sont beaux. J'espère que les autres aussi sont comme ça. Vraiment, papa. Je vais aller me changer. Je vais les porter tous. Il y a une que j'avais aimée. C'est elle que je préfère. C'est bon. Hurray! Maman. Où est ton père et Ougon? Ils sont allés au champ. Oui, maman. Où est cette stupide fille? Comment elle s'appelle? Adana. Adana! Mais... Y a-t-il un problème? Es-tu folle? Combien de fois je dois te dire de ne pas m'appeler Né? Allez, viens ici, viens. Combien de fois je dois t'interdire de m'appeler ta Né? Hein? Né, pardon. Tu veux que je te tue pour que tu arrêtes de m'appeler Né? Hein? Non! Tu crois vraiment venir ici, hein, et prendre la place de ma fille? Tu penses que c'est possible, hein? Cet enfant ne va pas écouter, oh. Mais pardon. Si je fais quelque chose qui t'a offensé, s'il te plaît, pardonne-moi. Oh oui, ma. Je suis ta sœur, oh. S'il te plaît, ne hais pas ta sœur. Né, s'il te plaît, pardonne-moi. Je serai obéissante envers toi, pardon. Et toi, combien de fois je dois te dire que je ne suis pas ta stupide nez. Je ne suis pas comme ta maudite mère qui n'était même pas capable de contrôler son libido. Allez, disparais. Reviens ici. Va là-bas et ramène-moi tous les habits que mon mari t'a achetés et ce que tu as mis sur toi. C'est bien. Allez, vas-y. Les habits. Les chaussures. Va là-bas, imbécile. Allez, va prendre ça. Amène tous ces habits. Dépêche-toi. Où est cette fille? Adana? Né. Pourquoi tu es en train de me faire traîner sous le soleil comme ça? Hein? Mon ami, allez, va là-bas, enlève tout ce que tu as mis. Et reviens ici. Allez, amène ça ici. Amène, allez. Dépose ça. Allez, mets ça. Brûlé. Laisse-en. Allez, va pousser de l'eau. Va chercher la calebasse. Allez, vite. Tourne ça bien. Que tout se brille. Que tout brille. Es-tu déjà en train de partir à la rivière? Allez, tourne ça bien. Tourne. Encore. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma soeur, nous devons nous occuper de cette fille, car elle n'a personne qui peut plaider sa cause. Elle pleure chaque matin et chaque nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Né. Tu sais qu'on t'aime beaucoup. Alors arrête de pleurer. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Papa m'a acheté quelques nouveaux vêtements. Juste parce que je n'avais que ça comme vêtements. Et ce matin, maman m'a demandé tous ces nouveaux habits et les a brûlés. C'est Ougon. Chitem, vous avez entendu ça? Elle a brûlé les habits de cette innocente. Qui va lui acheter des habits? Qui? Juste parce que elle est seule. Ce n'est pas bon du tout. C'est bon, Okene. Mes grandes sœurs, suis-je une mauvaise personne? Non. Non, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu ne l'es pas. Regardez cette maman. Elle me tape toujours. Et elle me traite toujours d'une bâtarde. Pendant que je ne lui fais toujours rien. Oh, c'est fini, hein? Arrête de pleurer, tu n'es pas une mauvaise personne. Arrête, c'est fini. Tu es une très jolie fille, ok? Tu grandiras un jour et tu vas devenir la plus belle des servantes de notre royaume. Hein? C'est un tabou pour une belle fille comme ça de pleurer. Hein? Ne pleure pas. Essuie tes larmes. Oh? Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Hein? Essuie. Essuie ça. Sœur, laisse-moi me dépêcher pour pousser de l'eau. Allez, arrête de pleurer. Hein? Arrête. Arrête de pleurer. Adana, lève-toi. Lève-toi. Oui, je vais très bien. Assieds-toi. J'ai apporté ces habits pour toi. Hein? Porte ça. Hein? N'aie pas peur. Hein? Juste porte ça. Et si elles osent toucher ça, hein? Si elles touchent ça, juste viens ici. Dis-moi où dit à Kogo. Ok? Allez, prends ça. Non, grande sœur. Je ne veux pas de ce vêtement. Pourquoi? C'est quoi ça? Pourquoi pas? Ah, s'il te plaît, garde ça. Je me sens déjà bien par la nourriture que vous me donnez. Ada. Elle me traite toujours d'une bâtarde. Et aussi, elle me traite toujours d'un vaurien. Ada. Veux-tu que je te gifle moi-même? Non. Alors prends ces vêtements. Que tantine Chinemere t'a acheté. Oh. Prends ça. Hein? Prends ça. Tu vas mettre ça. N'aie pas peur. Que cette femme le touche. Qu'elle le touche seulement. T'inquiète. Tu vas le mettre. Tu as entendu? Tu as aimé la nourriture? Oui, j'ai aimé tout. Et voilà. Oh, non. Tu es là. Ikem, oui? Regarde les habits que tantine Chinemere et Coucou m'ont acheté. Waouh! Ça, c'est vraiment beau. Oui, c'est très beau. Ma soeur, merci. Chinemere, merci beaucoup, vraiment. Mais grande soeur, je dois déjà rentrer maintenant. Si je traîne, elle va me taper. Ok. T'inquiète, donne-le-moi, je veux arranger pour toi. Attends. Je pense que ça va comme ça. Oui. Merci beaucoup. Oui. Sois sage. Ok. Bye bye. Bye bye. Ok, très bien. Bye bye. Je t'avais dit de laisser cette fille tranquille. Je t'avais dit de prendre soin d'elle comme ton propre enfant. Pourquoi as-tu brûlé ses habits? Grand frère, dis-moi, comment est-ce que je dois aimer cette fille? Et elle continue toujours de m'ignorer. J'étais vraiment en train de m'occuper d'elle. Mais c'est fou ici. Il est de les gâter avec des cadeaux. Même s'il avait une fille légitime. La fille dont tu as tourné l'esprit contre son père. La fille qui ne peut pas respecter son père même à son âge. En tout cas, ce serait même pas ça le point. Je veux les pannes que j'ai achetées pour Adana et qu'elle a brûlées. Je veux qu'elle les remplace immédiatement. Qui va acheter ça? Qui va les acheter? Et si je ne le faisais pas, qu'est-ce que tu vas me faire? Hein? Agumba, qu'est-ce que tu vas me faire si je ne le faisais pas? Unoma, arrête de parler à ton mari de la sorte. C'est quoi même? Cette fille ici n'est pas le problème. Ton mari se plaint à propos de ton comportement, même devant ses propres enfants. C'est quoi ton problème? Contrôle ton caractère, Unoma. Mon frère, il n'est pas question de caractère ici. Laisse que Agumba nie la paternité de cette fille. Ni ça, je vais t'entendre. Est-ce que je te suis redevable? Non, mais est-ce que je te dois quelque chose? Même si elle est ma fille, en quoi ça te concerne? En quoi ça te concerne? Ogum, calme-toi. Va doucement. Unoma, j'ai honte de toi. Contrôle bien ta langue. Aujourd'hui, j'ai honte de t'appeler ma soeur. Qu'est-ce que cette fille t'a fait? Pourquoi n'as-tu pas brûlé les habits de ton mari à la place des siens? T'a-t-elle offensé? Ce que tu as fait est très mauvais. Ma fille, viens. Ça ira. La vie est sucrée. Mais parfois, elle devient amère. Ça peut être sucré aujourd'hui, mais amer demain. Je vais t'acheter d'autres habits. C'est bon, vas-y. La chance a souri pour toi aujourd'hui. La prochaine fois, la prochaine fois, tu ne seras pas ainsi chanceuse. Je ne te reconnais plus. Tu te comportes très mal. Mon frère. Je regrette de t'avoir comme sœur. Ne m'appelle pas frère. N'ose pas m'appeler frère. Agumba, bonjour. Ikema, elle m'a dit qu'elle a trouvé le corps d'une jeune fille dans la forêt d'Iguruba. Tôt ce matin. Et la personne qu'elle a vue ressemble vraiment à Adana. Hein? Alors nous sommes venus voir si Adana est à la maison pour confirmer si c'est le cadavre d'une autre personne. Hey, que dis-tu exactement? J'ai vu Adana hier quand elle revenait de la rivière. Et le même habit qu'elle avait mis. J'ai vu ça ce matin, dans la forêt. La fille que j'avais vue, sa tête était coupée. Et j'ai vu le corps. Et je me suis rappelé que la communauté des Ekeko a perdu son roi. Et c'est certain que le roi a été enterré avec 2 vierges. Je n'ai pas dit que c'est Adana. Je m'inquiète seulement, c'est pourquoi je suis venue demander si elle est à la maison. Adana n'est pas à la maison à l'heure où nous parlons. Oui. Mon fils la cherche depuis le matin. Mais... est-ce a dit qu'elle a quitté très tôt ce matin ou quoi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais que serait-elle partie faire dans la forêt de Ouguepa? Mais ce n'est pas possible. Je pars déjà. J'étais venue juste savoir si elle était là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, papa? Que serait-elle allée faire là-bas? Hein? Est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien. Hein? Comment puis-je savoir? Hein? Je suis confus. Madame, viens. Où est Adana? Hein? Où est Adana? Ça, c'est quelle question, ça? Je demande où est Adana? Suis-je sa gardienne? Hein? Non, ma. C'est la hauteur de ta méchanceté. Adana était allée au lit hier dans cette case avant moi. Comment se fait-il que je ne la vois pas ce matin? Non, ma. Sais-tu que le tonnerre connaît la location de chaque personne? Où est Adana? Allez, calme-toi d'abord. Où est-elle? Pourquoi tu es en train de crier comme ça? Pourquoi tu cries sur moi? Hein? Ok, si tu dois savoir, je l'ai chassée hier de ces huttes. Hier la nuit. Alors ceci veut dire, va chercher un endroit là où tu vas construire pour elle une hutte. Si tu pourras encore la voir. Hé, hey, voilà, hey. Maman. Oh, Guinée. Non, ma. Non, ma, tu as fait quoi? Hein? Tu as renvoyé la fille là, dans la nuit profonde. Maman, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Maman, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Donc ce qu'on dit, Ikem et Ekene, est vrai. Ou l'homme. Ogini. Où est Adana? Si tu ne vas pas chercher Adana maintenant, hein? Oulama, si tu ne vas pas la chercher maintenant, hein? Je te... Papa, mon Dieu, maman. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Hein, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Maman? Eh oh, papa? Aidez-moi. Il a un problème cardiaque sérieux et un AVC partiel. Mais il ira bien. T'inquiète, ok? Il ira bien. Je vais faire la liste des genres d'aliments qu'il doit commencer à manger maintenant pour qu'il puisse se rétablir le plus vite possible. Ok? Alors je ferai de mon mieux. Je vais lui donner des médicaments qui vont stimuler ses veines et ses os. Les dieux vont les guérir. Les dieux vont l'aider. Ok, laisse-moi me dépêcher et revenir, car c'est un cas sévère. J'en ai pour un instant. Tu dois les piler maintenant. Mixe-les avec l'huile de palme et rassure-toi qu'ils le prennent avant tout chaque matin. Ok, oncle. Mais es-tu sûr qu'il ira mieux? Parce que je ne vois aucune amélioration pour le moment. Nous faisons notre mieux et laissons le reste au Shikuku Aranyama. Juste fais tel que je te demande. Les dieux te surveillent. Ok, j'y arrive alors. Agumba! Je suis venu ramener la fille de ma soeur à la maison. Où est-elle? Je dis, où est-elle? Ok. Comme tu vois, je ne me porte pas bien. Si tu cherches les seins auprès d'une grosse femme, tu cherches ce qui n'est pas perdu. Adana n'est pas perdu. Rentre. Quand je me porte bien, je viendrai te voir. Ne me raconte pas ces sottises. Je veux voir Adana maintenant. Je m'en fous si tu es malade ou pas. Appelle-la qu'on rentre ensemble. Tu oses crier sur mon père? Tu oses crier sur mon père souffrant? S'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, ne le fais plus. Oh, maintenant, tu cherches Adana. Depuis qu'elle vit ici, es-tu venu pour voir comment elle se porte? Non. Ce n'est pas toi, ce même oncle méchant qui lui a infligé toutes ces cicatrices qu'elle porte? Écoute-moi très bien, je ne vais pas te permettre de venir dans ma maison et crier sur mon père. Adana n'est pas à la maison en ce moment. Je n'ai pas le temps pour toi. Ok. Laisse-moi te dire quelque chose. Un homme nu ne peut pas mettre la main dans la poche. Rentre. Je te parlerai bientôt. Agumba, je m'en vais, mais je vais revenir. Et pour toi, j'en finirai avec toi dans ce royaume. Un inconscient. Après tout ce que tu as fait, tu viens ici pour crier sur mon père. Unoma, je venais d'être dans ta maison. Franchement, je n'ai pas l'intention de faire du mal à ton mari. Okeke, calme-toi et dis-moi ce qu'il y a. Hein? C'est quoi le problème? Je ne sais pas pourquoi il m'a ravi la fille de ma défunte sœur. Et je ne veux pas croire aux rumeurs que j'entends. Mais ces rumeurs commencent à paraître vraies. Biko, quelle rumeur? Pourquoi tu me demandes comme si tu ne sais pas de quoi je parle? Hé, si je savais, je n'allais pas demander. N'est-ce pas dans ta maison qu'Agumba avait logé la fille de ma sœur? Oh... Donc, cette fille était l'enfant de ta pauvre sœur? Oui, elle était la fille de ma sœur. Elle était morte en donnant naissance à Adana. Maintenant, je ne sais pas ce qu'Adana est devenue. Bien, je ne sais pas. Laisse-moi juste te conseiller. Tu vas essayer de savoir comment tu peux organiser son enterrement. Parce que je suis certaine que cette fille n'est pas vivante. Tu sais cet esprit? Tu sais comment ces esprits tremblent quand l'enterrement n'est pas bien fait, non? Unoma, es-tu là en train de me confirmer que Adana est morte et que je dois aller organiser son enterrement? De quoi parles-tu? Personne ne m'a dit ça! Hey, mais pourquoi... Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu cries? Dis-moi, pourquoi tu cries sur moi, non? Hein? C'est moi qui t'ai allé chercher la fille de ta sœur. Oh, c'est parce que je suis en train de te conseiller. Hein? Viens la chercher ici. Unoma, hein? On verra. Hey. J'irai jusqu'au bout de cette affaire. Ougon, j'aimerais te demander de continuer à assister ton père. Les dieux vont vous aider. Agumba, ton père, est un bon homme. Tout le monde dans cette communauté peut bien le confirmer. Je suis sûre que cette maladie a été causée par la disparition d'Adana. Akugo, l'herboriste demande de l'argent. Et je suis confus. Mon père a dépensé tout ce qu'il a pour cette maladie. Ok. Reviens le soir. Je vais préparer quelque chose pour toi et ton père. Et je vais te donner l'argent que tu vas donner au guérisseur. Hey, ça sera sympa de ta part. Je ferai comme tu l'as dit. Oui. Merci. D'accord. Prends bien soin de toi, hein. Mes compliments à ton père. D'accord. Papa? Akugo m'a donné de l'argent et de la nourriture. Voici l'argent. C'est gentil de sa part. Elle était venue ici lorsque tu étais allé chez l'herboriste. On a parlé brièvement. Mais je ne savais pas qu'elle allait faire ce geste. Oui, elle l'a fait. Elle a fait du bien. Et elle trouvera le bonheur. Amen. Aide-moi, je veux uriner. Qu'est-ce qui s'est passé? Nam, pourquoi es-tu couché ici, non? Qui es-tu? Tu viens de m'appeler Nam. Nam, s'il te plaît. Tu n'arrives même pas à bien parler. Qu'est-ce qui s'est passé? L'herboriste dit que j'ai la crise cardiaque et l'hémiplégie parce que j'ai perdu ma petite fille. Je m'étais réveillé et je n'ai plus trouvé Adana. J'ai eu un grand choc lorsqu'on m'a dit que elle a été décapitée dans la forêt de Ogumba. Nam, tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Je suis Adana, je suis en vie. Tu seras protégée. Tu m'avais aussi protégée. Adana est de retour. Adana est en vie. Non, s'il te plaît, couche-toi. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le diable peut dire la vérité? Qu'est-ce qui s'est passé? Nam, tu n'as plus à m'appeler Adana. Appelle-moi princesse. Princesse? Oui, Nam. Où est comment? Nam, s'il te plaît, attends. Dis-moi d'abord, où est Ougon? Nam, couche-toi, non? Où est Ougon? Ougon est parti pour vérifier ses pièges. Ok. Dis à Ougon que je suis de retour, hein? Qui? Adana? Oui, dis à Ougon que je suis là. Comme ça, quand je viendrai demain, je vais tout vous raconter. Hey, Nam, s'il te plaît, prends bien soin de toi. Demain, je vais te raconter tout ce qui s'est passé. Hey, Nam, prends bien soin de toi. Je t'en prie, prends bien soin de toi. Demain, lorsque je viendrai, je vais tout te raconter. Ça va. Ma princesse, tu ne fais que pleurer depuis qu'on a quitté cette maison. S'il te plaît, qui est cet homme? Ne l'appelle pas cet homme. Appelle-le mon père. Il faisait tout pour que je mange. Il subissait des insultes jour et nuit juste à cause de moi. J'étais nue et c'est lui qui m'avait habillée. Et maintenant, je viens de voir qu'il est malade. Juste à cause de moi. Ça ne va pas se faire. Les hommes bons ne peuvent pas mériter ça. S'il te plaît, calme-toi, ma princesse. Ressaisis-toi. On aura tout notre temps d'en parler. La seule manière est seulement qu'il guérisse. Je sais, mais ressaisis-toi. Allons-y. Papa, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire par Adana est venue ici aujourd'hui, hein? Papa, je sais que tu es vraiment malade, mais je ne pense pas que cela affecte aussi ton cerveau, hein? Je te dis, mon fils, elle dit qu'elle sera ici demain. Qu'elle sera là demain? Donc tu essaies de me dire que Adana n'est pas morte et enterrée? C'est ça? T'inquiète. Elle viendra demain. Elle viendra demain. Ok. Ce qui signifie que je n'irai nulle part demain. Je serai ici en attendant cette Adana de venir. On verra. Hey! Nam, je pense que je ne t'ai fait plus des soucis. Pourquoi vais-je encore me quitter quand tu es vivante? Sais-tu que Okeke était ici plusieurs fois, me menaçant d'aller te ramener? Nam, qui est Okeke? Okeke, ton oncle. Nam, s'il te plaît, je ne veux plus que tu me mentionnes ce nom. Où est Ougona? Ougona, Nam, s'il te plaît, c'est bon. Je vais aller le chercher moi-même. Ougona! C'est vraiment toi? Oui, c'est bien moi. Comment vas-tu? Je vais bien. Que s'est-il passé? Tu as changé, hein? C'est vraiment une très longue histoire. Comment prends-tu soin de papa? Bon, je suis là. Nam va bien se sentir. Cherchons tous les guérisseurs pour traiter Nam. L'argent ne sera pas un problème. Hein? Oui, l'argent ne sera pas un problème. Tu te rappelles de comment toi et Nam avez pris soin de moi? Comment vous m'avez protégée? Vous m'aviez nourrie. Je ne veux pas voir Nam malade. Je peux mourir si je le vois dans cet état. Les hommes bons ne doivent pas du tout mourir. Adana, Ike et Ikem sont venus ici avec la nouvelle que tu es morte. Papa ne pouvait pas contrôler son émotion. C'est ce qui l'a mis dans cet état. Si ce n'est pas grâce à l'aide d'Akugo, papa serait mort depuis longtemps. Elle est celle qui nous aide avec de l'argent pour le traitement de papa. Ougona, je suis là maintenant. Peu importe ce que Nam a comme maladie, il va se sentir mieux. Je vais tout faire pour lui. Oui. Viens avec moi, on va voir quelqu'un. Je vous ai amené une invitée. Je vous salue, grande sœur Goku et grande sœur Chinemere. Bienvenue. Qui est-elle? Tu me demandes qui est-elle? Mais c'est Adana, non? Celle que vous connaissez. Notre Adana, non? Attends. Ça, ce n'est pas Adana. Oui, c'est moi. Adana. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es en vie? Oui, je suis en vie. Comment? Comment? Et qui sont ces gens qui sont avec toi? Ce sont mes servantes et mes gardes. Tes servantes et tes gardes? Oui. Où est Ikem? Il était sorti. Ok. Grande sœur Kogo, j'aimerais te parler. Ougona m'a parlé. Comment tu t'es occupé de Nam? Nam a subi ses chocs à cause de moi. Oui, On m'a dit que tu as donné ton argent pour son traitement. Merci, merci et merci encore. Tu n'as pas à me remercier. Agumba est comme un père pour moi. Les conseils qu'il m'avait donnés lors de la mort de mes parents, c'est ce qui me maintient vraiment. Il doit vivre pour que les gens comme nous le valorisent. Tu ne me connais pas, mais tu m'as quand même nourrie. Tu m'as habillée. Je suis vraiment reconnaissante. Il n'y a pas de problème. Mais Adana, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde-toi, tu as vraiment changé. Tu t'es déjà mariée? Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison des Ogumba? Je veux dire, pourquoi tu avais quitté là-bas? Nous avions tous appris à propos de ta mort. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète, Adana est en vie. Avec mon nouveau statut, on va en parler un peu plus tard. Ok? Allons-y. D'accord. Adana ya. Allons-y. Kogo, je pense à quelque chose, parce que j'ai des chairs de poule sur ma peau. Qu'est-ce que tu penses? Je crois que nous venons de parler avec un fantôme. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Essayons d'y penser. Comment Adana s'est transformée directement en une princesse? Comment est-ce possible? La princesse de quel royaume? Tu sais, les fantômes sont capables de se transformer en quoi que ce soit. Oui. Bien. Peut-être que tu peux avoir raison. Ne dis pas peut-être. J'ai raison. D'où est-ce que Adana a pris toutes ses servantes et les gardes? Tu sais, ce genre d'esprits sont très puissants. Nous devons faire très attention. Tu sais que je lui ai demandé comment est-ce qu'elle a subi cette transformation. Elle a seulement dit t'inquiète. Oh. Ça veut-il dire que tous ces servantes et gardes sont des fantômes spirituels? Ce sont des esprits, oui. Ils ont juste pris la forme humaine. Je dois vite entrer dans ma maison me laver, tu sais. Elle m'avait touchée. S'il te plaît, laisse-moi aller me laver. Ikem. Ah, Ougon. Mon frère, comment ça va? Vraiment. Et je suis allé chez vous ce matin avec Adana. Et ta soeur m'a dit que tu es parti vérifier tes pièges. Quelle Adana? Que veux-tu dire par quelle Adana? Mais celle que tu connais, Adana Nkema. Adana Wane. Ouais. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu laisses tomber tout? Tu veux dire Adana? Adana est morte. Je l'ai vue avec mes deux yeux. Adana n'est pas morte. Adana est en vie. Tu ne connais pas la personne que tu as vue. Écoute-moi. Adana est maintenant une princesse. Tu dois la voir. Elle est venue chez nous ce matin. J'ai décidé de la faire venir chez vous aussi. Es-tu sûr de ce que tu dis? Je suis sérieux. Ikem, attends, allez. Écoute, quand tu vas rentrer à la maison, Ta sœur t'en dira plus, hein? C'est une bonne nouvelle. Ikem, pas de panique. Rentre à la maison, c'est pas du fantôme. Adana est en vie, hein? Hey, Ikem. Dieu est grand. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Sœur Akugo. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai appris que Adana est venue dans cette maison. Qui t'a informé? On s'est vu avec Ougon à quelque part ici. Et il m'a dit qu'Adana est venue. Et qu'elle est maintenant princesse, c'est vrai? Non, je viens de me laver maintenant. Parce que j'ai comme l'impression que je viens de parler à un fantôme. C'est exactement à quoi je pense. Oui. Ça ne peut pas être elle. J'ai vu son corps dans la forêt Groba. Ma soeur, et je me demande comment elle est devenue princesse. Je pense que vous avez parlé à un esprit. Ikem. S'il vous plaît, soyez prudente. Ikem, les gens se ressemblent. La fille que tu avais vue avec Ekele dans la forêt, peut-être que ce n'était pas Adana. Oui, les corps peuvent se ressembler, mais tu ne peux pas être sûr de ça. Mais cela n'enlève pas mon hypothèse que je venais de parler à un fantôme. Ça, c'est sérieux. Bien, j'aurais dû être là vraiment et voir l'esprit qui a pris le visage d'Adana. Et qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais utilisé mon couteau et lui tranché la gorge. Ça, c'est du n'importe quoi. J'ai vu son corps dans la forêt Goumba. Elle n'est plus revenue depuis le jour qu'elle était venue. Qu'est-ce qui l'a empêché de venir nous rendre visite? Écoute, ça ne concerne pas le fait d'être fantôme ou esprit. Peut-être a-t-elle découvert que nous savons qui elle est. C'est pourquoi elle a disparu. Écoute, pardon. Je ne comprends pas ce que vous dites. Hein? Vous dites qu'elle est un fantôme ou quoi? Ougon, tu dois faire très attention. Il est vrai qu'Adana ne te fera rien de mal ou à l'un de nous. Mais je suis en train de penser. Je crois qu'elle a apparu pour que nous puissions le voir. Oui, peut-être qu'elle est devenue princesse en esprit. Donc vous dites qu'elle est vraiment un fantôme? Regarde Ougon, j'ai vu son corps dans cette brousse. Comment est-elle revenue comme princesse? Toi et moi connaissons bien son histoire. Sa mère lui a donné naissance et est morte. Elle et sa famille n'ont rien à voir avec la royauté. Où a-t-elle acheté ou emprunté la royauté? Attendez. Le jour où nous sommes partis d'ici, je voulais les accompagner jusqu'à la route. Mais Adana a refusé et m'a demandé de retourner. Et quand j'ai continué la route avec eux, elle a insisté que je retourne. J'ai cédé. Et immédiatement, j'ai tourné vers leur direction. Je n'ai plus vu aucun d'entre eux. Vous savez, toute cette affaire devient étrange, hein? Ça devient très étrange. Aïe! Hey! 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 Je le savais. C'est un fantôme. Oui. Si c'est un fantôme, personne ne va le revoir. Elle peut aussi être ici et personne ne le saura. Écoute. Moi-même, j'ai très peur maintenant. Akugo. Chinemere, Ikem, je pense que je dois aller informer mon père afin qu'il soit au courant. Tu n'as pas à faire ça. Agumba est malade. S'il te plaît, ne cherche pas à empirer sa situation, je t'en prie. Pardon. Laisse-moi ça. Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qui fait de bruit dans la maison. C'est comme si quelqu'un tentait de chanter dans mes oreilles. Tout ce qui chante à cette heure de la nuit, c'est l'esprit. Tu aurais dû écouter ce que l'esprit dit. L'esprit? Regarde, c'est l'esprit d'Adana qui chante. Elle chante pour ses amis. Et je ne pense pas qu'elle peut te faire du mal. As-tu oublié tout ce que tu lui as fait du bon? Tu n'as pas à t'inquiéter. Entre à la maison, prends ta natte et étale-la ici. Quand je serai prêt, on ira ensemble. Ah, je n'entrerai plus dans cette maison. Je ne peux pas aller là-bas seule. Ok, ne t'inquiète pas. J'arrive. Mais je n'ai rien écouté. Peut-être que l'esprit est parti. Je l'ai bien entendu moi-même. Et c'était la voix d'Adana. Si c'est sa voix, elle ne peut rien te faire de mal. Bon. Je veux rester ici. Je ne veux plus aller là-bas. Orima, j'espère que tu ne manges pas la nourriture que j'ai gardée pour papa. Ne me dis pas que c'est ça. En tout cas, je n'ai pas grand-chose à dire. On verra, il faut que j'aille vérifier d'abord. Guinée, pourquoi tu cours comme ça? Dis-moi, d'où est-ce que tu vas comme ça en courant? C'est Ougon, non? Il veut me battre. Qui veut te battre? Ougon. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? C'est juste à cause de la petite nourriture qu'il avait laissée. Maman, j'avais fait, non? J'ai mangé ça. C'est tout ça? Oui, mais ce n'est que ça. Viens, rentrons à la maison. Laisse qu'il me démontre qu'il est puissant. Après tout, partout dans ces villages, les rumeurs qui circulent, c'est que la personne qui était venue de la maison, c'est un fantôme. Mais, tu veux quoi? Tu veux dire Adana? Adana, c'est un fantôme? Mais, es-tu sûr? Et qui t'a dit ça? Hey. N'est-ce pas que tout le monde sait que l'esprit d'Adana est en train de trimballer dans tous ces villages? Hey. On doit quitter cette maison avant qu'elle ne nous revienne. Tu comprends de quoi ce que je suis en train de parler alors, pardon. Donc ça veut dire tous ces gardes et servantes sont des fantômes, n'est-ce pas, non? Tu les as entendus dire un mot. Ils sont tous esprits. Hey. Partons d'ici, Biko. Hey. Moi, je ne veux pas rentrer là-bas. Oh. Elle risque de me tuer. Marie-Zi. Hey, pardon, maman. Allez, viens. Hey, on non, part. Laisse-moi, je ne veux pas aller. Adana, c'est un fantôme. Là, on va l'attraper. Oh. Hey. Hey, viens. Elle va m'attraper ici. Pardon. Hey. On doit partir de cet endroit. Nous devons quitter cette maison. Hein? Adana? Maman, bienvenue. Pourquoi tu te caches derrière? Qu'est-ce qu'il y a? Donc tu penses que si tu te caches derrière maman, je ne peux plus rien te faire, c'est ça? Tu as mangé la nourriture que j'ai préparée pour mon père. Mais cet homme n'est pas ton père aussi? Ne peux-tu pas préparer pour lui à manger? Hein? Plutôt tu es parti prendre la nourriture que j'ai préparée. Pour lui, hein? On se verra dans cette maison. Ogona, j'ai tenu la machette. Maman. J'ai la machette avec moi. J'ai la machette avec moi. Je veux pas que les gens disent que j'ai tué mon propre fils. Maman, tu es ma mère, hein? Avant maman, laisse-moi passer. Maman, laisse-moi. Avant que les gens ne disent que j'ai tué mon propre fils. Laisse-moi, hein? Les gens diront que j'ai tué mon propre fils. Hein? Hey! Pourquoi est-ce que tu cries? Tu ne veux plus me parler? Ce n'est pas moi qui t'a énervé. Alors, peu importe le problème, essaye d'oublier ça. Alors... Hey, non, ne m'approche pas. Ne m'approche pas. Es-tu un esprit ou bien un être humain? Peu importe comment tu l'appelles. Si je suis un esprit, penses-tu que je pourrais te faire du mal? Ce n'est pas la réponse à ma question. Es-tu un esprit ou Adana? Je ne suis plus aussi Adana. Appelle-moi princesse. Princesse? Princesse du monde des morts? Peux-tu essayer un peu d'oublier cette histoire des fantômes et d'esprits et parler d'autre chose? Pourquoi veux-tu m'énerver? Mais non. Écoute, laisse-moi te dire. Les vivants et les morts n'ont rien de commun. Merci. Alors où est Nam? Pourquoi tu demandes d'après papa? Hein? Papa est le père des vivants, non pour des morts. Si je quitte ici, vous n'allez plus me revoir. Hey, merci beaucoup, merci. Va, vas-y. Ne reviens plus, hein? Ne reviens plus, vas-y. Donc, tu veux dire qu'elle n'a pas confirmé si elle est devenue un esprit ou elle est toujours un être humain? Non. Mais elle a dit que même si elle est esprit, elle ne me fera pas du mal. Cela le confirme. Oui. Oui. Je réfléchis toujours. Comment est-ce que Adana, qui n'a ni père ni mère, s'affiche comme une princesse? Ce n'est pas possible. Je pense qu'elle est partie pour du bon. Non, je pense que je n'avais pas crié sur elle. Non, je n'ai pas crié sur elle. Dois-je la blâmer? Bien sûr qu'il te prend pour son frère. Un frère qui l'a protégé toujours. Un frère qui lui donnait la nourriture et de l'eau. Peu importe là où son esprit est parti. Je commence à réfléchir autrement par rapport à ça. Dites-moi, où est-ce que son esprit est encore parti? Akugo, tu as raison. Mais, sais-tu que les esprits des morts prennent le vivant? Ça c'est vrai. Mais ça, ce n'est pas une bonne chose. Regarde, je pense qu'elle ne viendra plus. Mais si elle vient, Ougon, jette-lui du sable. Écoute, ne lui jette pas quand tu es tout près d'elle. Et si elle ne disparaît pas, laisse-moi fermer ma bouche. Jeter du sable sur elle? Oui. Les fantômes sont très méchants. Tu sais, elle peut venir avec l'intention de te tuer toi ou moi, ou peut-être nous deux. Tout fier à quoi? Mais j'ai aimé ce que Ougon a fait. Né, pardon, faisons nos bagages et partons d'ici. Comme où et quand? Dans la maison de ton père, non? C'est méchant de mon frère, il ne va pas accepter ça. Ça veut dire quoi ça? N'est-ce pas que c'est la maison de ton père? Né, pardon, partons d'ici s'il te plaît. Tu sais, si Adam avait tué quelqu'un, c'est moi qui va tuer en premier. Moi, je ne vais pas mourir. Orima, calme-toi. Hein? Elle peut nous tuer partout où nous serons. Les esprits sont partout, les esprits sont partout. Et les fantômes, c'est pourquoi on les appelle les esprits. Calme-toi, laisse-moi réfléchir. Né, partons d'ici, non, pardon. Partons d'ici. On va les réfléchir, là, on va partir. Partons d'ici. Tu veux que je me lève ici pour que nous allions? Tu es morte, donc arrête de venir. Ougo, avec tu parles-tu? Papa, c'est le fantôme d'Adana. C'est le fantôme têtu d'Adana. Pourquoi dis-tu qu'elle est morte? Adana, viens-tu d'arriver? Tu vois, nous sommes ici et on ne sait même pas quand elle est venue. Tais-toi, Ougo, qui te nourrit avec ce mensonge. Adana, ne lui fais pas attention. Elle doit me faire attention, hein? Papa, elle doit me faire attention. Comment Adana est subitement devenue une princesse, accompagnée des bonnes et des gardes? Comme tu es malade, je sais que tu ne peux pas remarquer tout cela. Elle se comportait d'une manière étrange depuis qu'elle a commencé de venir ici. J'ai très peur, mais parce que le sang d'Agumba traverse mes veines. C'est pourquoi je me tiens devant elle et leur donne d'arrêter de venir ici. Papa, tu vois? Elle rit. Exactement comme un esprit. Adana est humaine. C'est quand tu lui donnes la chance qu'elle t'expliquera ce qui lui est vraiment arrivé. Ougo, mets du sable dans ma main. Adana, viens. Mets ta main ici. Mets ta main. Mets ta main ici. Mets ta main ici. Ougon, papa, es-tu maintenant convaincu que Adama est humaine? Es-tu maintenant convaincu? Hey, Ada, vraiment c'est toi? Je suis désolé. D'accord? Quelquefois, ne crois pas ce que tu n'as pas encore de preuves. Celui qui a créé le ciel et la terre est capable de tout changer. Tu as raison. Je crois que tu as compris. Viens, je te montrer quelque chose. Oh. Viens seulement. Ougon, tu peux la suivre. Je serai bien. Mais, papa? S'il te plaît, ne tarde pas. Oui, papa, on ne va pas traîner. Ne tarde pas. Mets-toi. Oui, mets-toi. Sois patient. Je vais aller appeler mon père. Ok, pas de problème. Salut, Votre Majesté. Bonjour, mon fils. Comment tu vas? Je vais bien, merci Votre Majesté. C'est toi... Ougona, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Juste parce que ton père t'a dit que c'est ta sœur, que tu t'es décidé de mourir pour elle. Quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Elle m'a tout raconté. Comment tu as dormi un jour sans manger, juste pour te rassurer qu'elle mange. Je dois confesser que tu es un homme bon avec un grand cœur. Merci, Votre Majesté, merci. Je t'en prie. J'avais engrossé sa mère quand j'étais encore prince. Une relation amoureuse a existé entre sa mère et moi. Mais quelque chose est arrivé. Mon prince, je suis enceinte. Je t'ai dit de me laisser, mais tu ne voulais pas écouter. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça, c'est sérieux. Si mon père ou qui que ce soit découvre que j'en suis le responsable, je vais perdre mon héritage. Qu'allons-nous faire maintenant? Mon prince, si je peux dire ce que je pense, vous voyez, moi est enceinte et vous êtes responsable. Et vous savez que l'avortement est un tabou dans cette terre. Donc, je conseillerais qu'elle garde la grossesse et que nous nous assurions qu'elle garde le père du bébé secret, du moins pour le moment. Écoute, tu en connais les conséquences. Tel que mon ami l'a dit, nous devons garder ça comme un secret. Sinon, je vais perdre le trône et je vais perdre tout ce dont je me suis battu pour. S'il te plaît, il viendra de temps à temps pour te rendre visite. Tout ce dont tu as besoin, dis-lui. Je vais les fournir à travers lui. Écoute, je comprends ce que tu ressens. Mais considère mon état. Gardons le secret, s'il te plaît. Je promets de fournir tout ce dont tu auras besoin. Ok? Il viendra te voir de temps à temps. Je t'aime, mon amour. Bon, allons-nous-en. Ces jours-là, dans un premier temps, j'étais content. Car je pouvais au moins enceinte une femme. Mais de l'autre côté, je ne l'étais pas. Car c'est un tabou pour qu'un prince engrosse une femme sans pour autant passer par le mariage. Alors je suis rentré vers mon ami. Dois-je le dire à mon père? Tout ce qu'il me dira, c'est me demander de l'épouser. Mon prince jamais. Vous ne pouvez pas essayer ça? Mon prince, nous savons tous que vous êtes le fils aîné de votre père. Mais n'oubliez pas que votre père a épousé aussi d'autres femmes. S'il vous plaît, mon prince, ne donnez pas aux autres frères l'opportunité de lutter pour ce trône avec vous. S'il vous plaît, je sais à quel point vous aimez moi. Mais je vous conseillerais, s'il vous plaît, de vous calmer. Mon prince, lorsque vous devenez le roi de cette terre, vous aurez tous les pouvoirs qu'il vous faut. alors nous pourrons aller chercher la mère et l'enfant. Mais pour le moment, s'il vous plaît, calmez-vous. Merci beaucoup. De rien, mon prince. Tu es vraiment un bon ami. Merci, mon prince. Merci. Dans un jour si particulier, quelque chose de pire est arrivé. Quelque chose que je ne pourrai pas oublier si facilement pour le reste de ma vie. Mon prince, Ogadi, mon prince te poursuit. Mon prince, je veux que vous supportez ce que je m'en vais vous dire comme la volonté de Dieu. Je t'écoute. Mon prince ne m'en est plus. Ma est morte. Garde. Laisse-nous. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle est morte il y a de cela quelques minutes après avoir mis au monde le bébé. Mon prince, à l'heure où je vous parle, son corps est couché là-bas sans vie. Les dieux n'auraient pas pu permettre que ceci se produise. Qu'en est-il de l'enfant? Mon prince, elles sont mortes les deux. Aucune n'a survécu. Toutes ces années, je croyais que la mère et l'enfant étaient morts. Jusqu'à ce que l'inattendu se produise. Je suis l'homme le plus heureux sur la terre pour avoir découvert que ma fille était encore en vie. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, pour t'assurer que ma fille survive. Je vous en prie, votre majesté. Merci. Elle a dit que ton père est malade, c'est vrai? Oui, très malade. Vraiment malade. Garde, votre majesté. Accompagnez ce jeune homme jusque chez lui. Emmenez son père malade jusqu'à l'endroit des Kata. Dis-lui que j'ordonne qu'il appelle tous les guérisseurs de ce village, y compris tous les féticheurs de ce village. Ils doivent se rassurer que son père se rétablisse vite. Est-ce que c'est clair? Oui, votre majesté. Dis-lui que je viendrai le voir plus tard. Oh, c'est bon, c'est bon. Merci. Bon. Merci. Attends. Merci. Ok, c'est bon. Je reviendrai. Oui. Ok, regarde, votre majesté, merci beaucoup. Merci, papa. J'espère qu'il va très bien reprendre ses états. Ne te dérange pas. Les dieux vont les guérir le plus vite possible. Ok? Attends. Qu'est-ce que tu viens de l'appeler? Je l'appelle Nam. Il m'avait donné les habits pour couvrir ma nudité. Il ne voulait pas du tout que je puisse souffrir. Il m'appelle toujours Adam. Chaque fois que tu racontes cette histoire, ça me fait couler des larmes. Je me rappelle juste de bons souvenirs. Comment je peux manquer des émotions? Ikem partit à la rivière pour me puiser de l'eau. Ses sœurs préparaient pour moi de temps en temps. Si ce n'était pas pour tous ces gens, Wima et sa mère allaient me tuer. Que d'autres voudras-tu que je fasse pour eux? Je veux qu'ils soient riches comme toi. Je veux qu'ils soient traités comme des princes. Ougon partait toujours dormir avec son estomac vide, juste pour qu'il me donne sa nourriture. Très bien. Je ferai tout ce que tu souhaites, juste pour que tu sois contente. Et pour cette femme, elle va souffrir pour avoir maltraité le sang royal. Et même les dieux ne vont jamais lui pardonner. Arrête de pleurer. Ma fille ne pleure plus. Papa fera tout ce que tu demandes. Ok? Akugo! Ikem! Akugo! Ikem! Hé, j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a? Akugo! Qu'est-ce qu'il y a? Hé, toi aussi tu es ici. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que l'esprit d'Adana te poursuit? Qu'est-ce qu'il y a? Parle! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quel esprit? Écoutez, laissez-moi vous parler tous. Hein? Adana n'est pas un esprit. Adana n'a rien de fantôme. Elle est en fait une princesse. À l'heure où je vous parle, son père, le roi, a ordonné que mon père soit transporté chez nous à Kota pour un traitement approprié. Oui, j'ai été chez eux aujourd'hui avec elle. Et il m'a dit tout ce que je dois savoir concernant son lien paternel avec Adana. Je vous dis la vérité. C'est sérieux? Oui. Donc, tu veux dire que tu étais avec le roi? Et il t'a dit que c'est lui le vrai père d'Adana? Oui, oui, oui. De quel roi parles-tu? Que veux-tu dire par là? Notre roi, bien sûr. Le roi Obiefuna. Comment? Comment est-ce possible? Notre roi, le roi Obiefuna, le père d'Adana. C'est même pas normal. Hein? Oh, tu as même de la fièvre. Calme-toi. Malade quoi? Qui est malade? Laissez-moi vous parler. Écoutez-moi bien. Il m'a dit qu'il a enceinté la mère d'Adana quand il était très jeune. Chima. Voilà. Oui. Mais il ne voulait pas que l'on sache pour éviter qu'on lui retire le trône. En tant que le fils aîné du roi, il a caché ça à tout le monde. Mais quand la mère d'Adana est morte suite à son accouchement, on lui a dit que Adana aussi est morte au même moment. Depuis cette époque, il ne savait pas qu'il y a eu une certaine Adana quelque part, jusqu'au jour de leur rencontre. Hey. Ça c'est vraiment étrange. C'est un peu réel et non réel. Et c'est au coup. Ah oui. Attendez un peu. Comment est-ce que le roi a raconté Adana? À vrai dire, ça, je ne sais pas pour le moment. Je sais juste qu'ils se sont rencontrés. Adana est une princesse. Donc, c'est ça. Je suis trop fier pour Ada. Vous n'êtes pas content pour elle? Bien sûr. Le roi et sa fille sont dans une discussion très importante. Quelle discussion? Eh, s'il te plaît, hein? Parle à mi-voix. Idioma. Eh, pour toi, tu dois arrêter de bouger ton anche à tout moment. Le roi ne sera jamais intéressé à toi. On t'a dit que moi j'ai besoin du roi. N'est-ce pas que c'est vrai? Tu bouges ton anche à tout moment pour que le roi puisse te voir. Laisse Idioma et son anche. Dites-nous, qu'est-ce que tu as entendu? Bien, j'ai écouté comment il est en train d'expliquer à sa fille comment elle a perdu sa mère pendant son accouchement. Donc c'est ça. Je ne savais pas qu'il était marié. Es-tu sérieux? Moi je sais. Oui, c'est vrai. Il a perdu sa femme quand vous deux n'avez pas encore commencé à travailler ici. Bien, Adana n'est plus une petite enfant. Donc c'est normal qu'il y ait cette discussion avec le roi. Et la princesse a une autre personne en tête. Parce qu'elle ne cesse de raconter au roi à propos un de ses amis là. Akugo et Chinemere. Et toi tu es ici en train de bouger ton ange. Vraiment. Pour qu'il puisse te remarquer, hein. Allez mon ami, arrête de faire passer ton temps à bouger ton ange. On n'en a pas besoin. Vraiment, ce que tu passes vraiment. C'est ce qui ne fera aucun cas de toi. Laissez-moi tranquille. Arrête de faire passer ton temps inutilement. Ma chérie, continue de les bouger. Ma chérie, ah oui, j'en ai la chance. The king wants to see all of you now. Né, pourquoi tu m'as laissé croire qu'Adana était une mauvaise fille et que mon père l'aimait plus que moi? Tu as poussé tout le monde dans ce village m'haïr avec passion, juste parce que je suivais tes mensonges. Tu l'as appelée de tout nom. Sorcière, destructeur de foyer, diablesse. Tu as dit qu'elle était un fantôme. Tu l'as appelée de tout nom. Hein? Même des habits qu'elle pouvait utiliser pour couvrir sa nudité, tu as brûlé ça. Regarde maintenant. Qui pouvait croire que cette Adana serait aujourd'hui une princesse? Juste du moins. Hein? Mais tu es vraiment méchante. Allez, dis n'importe quoi. Guettez quoi? Ibo? Hein? Pourquoi tu ne m'avais pas interdit quand je le faisais? Je faisais que me suivre. Ne sais-tu pas que même les enfants peuvent conseiller leurs parents? Hein? D'ailleurs, tu étais même plus pire que moi. Quand je fais un petit commentaire, tu entres en action. Quand je fais un petit commentaire, tu poses l'action. Laisse-moi te demander. Je t'avais demandé de jeter sa nourriture. Hein? Dis-moi, non? Tu as maintenant repris conscience et tout te sens. Tu commences maintenant à me dire de n'importe quoi parce qu'elle est devenue une princesse. Tu te réponds soudainement. Maman, tu es méchante. N'importe quoi. Ce n'est pas juste parce qu'elle est devenue une princesse. Mais tu sais que moi, dès que je suis ici, je suis une bonne personne. C'est toi qui m'as fourré dans ces pétrins. J'aurais bien voulu ne pas te suivre. Mais je n'apprécie pas ça. Tu m'as induit. Mon ami, il disparaît. Tu m'as poussé à la maltraiter une ensemble. Ta conscience sait bien que cette fille n'est pas une sorcière. Et tu le sais bien, ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. Allez, quitte là. Ne me montre pas ta méchanceté. Et où? Moi-même, Titi. Je regrette beaucoup pour l'avoir maltraitée. Je crois que je ne devais pas faire ça. Je n'aime pas faire impliquer le pardon dans des choses qui ne méritent pas d'être pardonnées. Cette femme avec sa fille mérite la mort. Si j'étais le roi, je donnerais des ordres pour qu'on puisse les lapider. Quelquefois, les gens te font du mal. Et ils réalisent qu'ils t'ont offensé et ils viennent demander pardon. Tu pardonnes. Du coup, Okeke a les derniers jugements. Et les dieux de notre terre ont vu ça. Alors, Idioma, qu'est-ce que tu es en train de dire? Ce que je veux dire est que la princesse doit pardonner cette femme et sa fille. En fait, juste pour le bien de l'homme et son fils qui l'avaient protégé. En tout cas, pour moi, ce n'est pas le cas. Toute œuvre méchante mérite d'être punie. Elle a renvoyé cette fille au milieu de la nuit. Et si quelque chose de mal lui était arrivé? Et si elle était morte? Serais-tu en mesure de rencontrer le roi qui est son père? Non. Cette rusée de femme mérite d'être punie avec tout ce qu'elle a fait à cette fille. Et puis tu as raison, si cette femme ne l'avait pas chassée de sa maison, elle n'allait pas rencontrer le roi qui est son père. Voilà. N'est-ce pas, c'est parce qu'elle avait chassé? N'est-ce pas, c'est parce que Dieu l'avait sauvé la vie? Ou peut-être c'est parce que Kodi l'avait nourrie? S'il te plaît, cette femme mérite d'être punie. Elle doit vraiment payer les pots cassés. Ce n'est pas comme ça. La princesse doit pardonner. En effet, je vais parler à la princesse. Je vais lui dire de pardonner cette femme et sa fille à cause du bien de ce papa et son fils. T'occupe pas d'elle. Est-ce que je n'ai pas raison? Maman, t'occupe pas d'elle. Elle ne comprend rien du tout. Qui est ici? Grande sœur Akugo. Adana. Bienvenue. Comment vas-tu? Je m'attendais vraiment à te voir. Je m'inquiétais vraiment. J'aimerais te poser quelques questions. Comment tu t'es retrouvée, princesse? C'est pour ça que tout le monde pense que je suis un fantôme. Parce que j'avais quitté la maison de Ogumba comme une pauvre et je suis retournée comme une princesse. L'imagination était très grande. En effet, où est grande sœur Chinemere? Elle m'a dit qu'elle arrive. Bientôt, elle sera ici. Hey! Hey! Grande sœur, bonjour! C'était le dieu qui m'avait sauvé entre les mains de ces méchants. Cette nuit-là. Orima et sa mère avaient vraiment très mal agi. J'avais pleuré, je leur avais demandé pardon de me laisser dormir et le matin, je quitterai si tôt. Mais elles avaient refusé. Aguna et Ougon a été tombé dans un profond sommeil. Orima et sa mère le planifiaient toujours. Lorsque ces hommes méchants ne m'avaient pas attrapé, ils étaient partis. Et j'étais partie dans la maison des Onou, juste pour dormir même à l'extérieur. Et l'homme était sorti. N'aie pas peur, ça va, ça va. Qui es-tu? Ça va aller, d'accord? Je ne t'ai pas demandé de pleurer. Je m'appelle Ogadi et c'est ma maison ici. S'il te plaît, ne pleure pas. D'accord? Tu es troublé. Écoute, ça va, ok? Pourquoi ne pas venir à l'intérieur et dormir? T'inquiète, je ne te ferai aucun mal. Je sais qu'il te faut un endroit pour dormir. Entre et dors. Demain, tu me diras ce qu'est le problème. Ça va. Je ne vais pas te faire du mal, d'accord? Ok? Lève-toi. Ça va. Le soleil s'est levé. Cet homme m'avait réveillé et il me demandait qui j'étais. Il voulait vraiment être sûr de mes paroles. Ma fille, es-tu très sûre de tout ce que tu viens de me dire? Oui. Donc tu veux dire que Chima, la sœur de Mokeke, est ta mère? Oui, monsieur. Peux-tu me faire un peu le portrait de ta mère? Je ne peux pas la décrire. J'étais trop petite lorsqu'elle était morte. Ceci est très sérieux. C'est incroyable. J'étais vraiment choquée lorsque cet homme m'avait dit que nous partions au palais. À mon égard, c'était comme si j'avais fait quelque chose. Je me demandais, c'est parce que j'avais cité le nom de ma mère qui m'a causé de problème. J'étais vraiment confuse parce que l'homme ne disait absolument rien. Alors je l'avais suivi au palais. Alors mon roi, j'aurais dû l'amener un peu tôt. Mais vous savez qu'aujourd'hui c'est le jour de marché. Donc j'ai dû aller au marché d'abord. Je ne savais pas que j'allais durer dans le marché. C'est pourquoi c'est cette nuit que je l'ai amené. Fillette, qui es-tu? Mon roi, je suis juste une orpheline. Mon roi, s'il vous plaît, je n'ai rien fait. C'est juste que la femme qui m'élève m'a mis hors de sa maison au milieu de la nuit. Et j'avais vu une maison à laquelle j'étais dormie dehors. Et cet homme était venu me réveiller. Personne ne t'a accusé de quoi que ce soit. Quel est ton nom? Je m'appelle Adana. Et ma défunte mère s'appelle Chima. Hein? Dis-le encore. Je m'appelle Adana. Et ma défunte mère s'appelle Chima. Je croyais que tu m'avais dit que Chima était morte avec son enfant. Mon roi, je suis désolé. Je vous ai dit ce que j'avais appris. Je suis désolé. C'est que tu avais entendu. Je croyais que tu en étais sûr. Désolé, mon roi. Bon. Mon roi, s'il vous plaît, je n'ai rien fait. Pardonnez-moi. S'il te plaît, lève-toi. Alors dis-moi, pourquoi tu circulais la nuit? Mon roi, j'ai grandi entre les mains de Okeke. Et il me rappelait toujours que ma mère était une folle et elle a accouché d'une bâtarde. Il me frappait jusqu'au point où Agumba m'avait pris. Mais la maison d'Agumba était encore plus pire à cause de sa femme et sa fille. Écoute-moi. Tu n'es pas une bâtarde. Ça, c'est mon palais et tu es en sécurité ici. Je ne sais même pas comment dire ça. J'ai connu ta mère. Et c'est moi qui l'avais engrossée. J'ai tellement de choses à te raconter. Mais avant cela, je vais t'emmener dans le sanctuaire pour vérifier si réellement le sang royal coule dans tes veines. Oui, votre majesté. Garde, majesté, emmenez-la à l'intérieur. T'es en sécurité, va avec lui. Le roi avait convoqué tout son cabinet et il m'avait aussi convoqué là-bas. Le chef prêtre, après avoir fait toutes ses consultations, lui avait dit que je suis sa fille. Il s'était senti malade. Le chef prêtre lui avait aussi dit que on n'abandonne jamais le sang royal, peu importe le lieu où il se trouve. Il était très content. Quelques jours passés, il avait fait une festivité à mon honneur. Et c'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Ah. Ça, c'est une histoire merveilleuse. Hey! Ma princesse. As-tu vu comment les dieux t'ont amené dans ta destinée? Je rends gloire à Unoma. En effet, je lui dis merci pour t'avoir chassé de cette maison. Bravo à elle. Akugo, comment tu peux dire ça? Tu ne vois pas? Si elle ne l'avait pas chassée, c'est Ogadi n'allait pas la voir. Et le roi n'allait pas savoir qu'elle avait une très belle fille. Tu ne trouves pas? Non, ma. Hey! Cette femme a vraiment une âme ténébreuse. Vraiment. Tchaï! Les grandes sœurs, je vais déjà partir. Je dois voir quelqu'un. S'il vous plaît, merci. J'aimerais vous inviter. Bonne route, hein? Y a-t-il moyen que vous passiez à la maison? C'est pas possible que nous puissions aller avec toi? D'accord, ok. Laisse-moi aller m'échanger alors, comme ça je reviens puis on va aller avec toi. D'accord? Hey, ma princesse, j'arrive. Oh. Alors dépêche-toi. Ouais. Je ne pouvais pas croire mes oreilles quand ma soeur m'a raconté tout ça. Ta mère a un cœur sombre. Oublions même le fait qu'Adana ait rencontré son destin cette nuit. Mais la chasser de cette maison à minuit, c'était très mauvais. Ikema, je sais. Je sais, mais elle est ma mère. Et je ne peux pas la tuer. Tu sais, tout ce que l'on sème dans cette vie, c'est exactement ce que l'on récolte. Regarde maintenant l'histoire d'Adana. Tu vois que parfois, c'est pas bien de minimiser les gens ou de les maltraiter. Je n'arrive toujours pas à croire tout ceci. Qu'Adana est une princesse. Cela me rappelle. Comment va ton père? Ah, mon père marche à nouveau. Remercions le roi, il a vraiment beaucoup fait. Même si ça sera la seule chose qu'il nous fera, je lui serai toujours reconnaissant. Ah, ça c'est bien. S'il te plaît, tu peux m'emmener là aujourd'hui. D'accord. J'aimerais la voir. On ira. Mon frère, je suis en train de préparer quelque chose. Laisse-moi te servir. Es-tu sérieux? J'y arrive. Ok, je t'attends. Okay. Salut. Salut. Où sont ta mère et ta sœur? Elles devraient être derrière la maison. Le roi a ordonné que vous déquittiez ce royaume pour ne plus revenir. Grâce à la princesse qui a plaidé auprès du roi pour qu'il ait pitié de vous, le roi l'a entendu et a ordonné que vous deux soyez bannis uniquement pour 3 ans. Et après vous pouvez rentrer. Je vous avertis, vous ne pouvez pas être vus dans un coin de cette communauté. Sinon... S'il te plaît, permets-moi de voir le roi. Je vais présenter mes excuses pour tout ce que je fais de mal. Même si je sais que je serai punie. Mais pardon. Laisse-moi aller présenter mes excuses chez Adana. Le roi ne veut pas voir vos visages. Voilà pourquoi il nous a envoyé ces soldats. Alors va à l'intérieur, prends tout ce que tu voudras et disparais. Vous n'allez rien prendre. Bougez. Bougez. Comme toutes deux vous quittez cette communauté, laissez-moi vous conseiller. Devenez beaucoup plus raisonnable. Nos cœurs comptent beaucoup dans la vie. Personne ne connaît demain. L'argent vient et ça finit. Même la vie a un début et une fin. En fait, tout dans la vie arrive et part. La vie se souvient de nous pour de bonnes actions que nous posons. Qui pouvait imaginer ça? Adana, c'est une fille du roi. Tu l'as chassée de ton hutte. Aujourd'hui, elle est en train de vous chasser en dehors de toute la communauté. Ce n'est pas de ma faute. C'est ma mère. Elle m'a déçue. Elle m'a gâtée. Elle m'a conduite à s'opposer à mon père et à ne pas aimer Adana. S'il te plaît. Tchaï, cherchez juste un moyen comment me pardonner, pardon. Cherchez comment me pardonner, m'épargner de ça, Biko. Qui est ton frère? Oh. Subitement, tu te rends compte que je suis ton frère. Et tu m'appelles frère, c'est ça? Le frère dont tu parles ici maintenant, quand il te donne des conseils, est-ce que tu l'écoutais? Maintenant, tu es en face des conséquences, maman. Une maman comme toi a oublié que la nature a ses lois. À ton départ d'ici, au moins tu en auras besoin de quelqu'un qui doit t'aider avec de la nourriture. De là, tu sauras que cette vie est comme le vent qui souffle dans la direction qui lui convient. Voilà là où nous sommes. C'est ça la vie. Ougon, ne me touche pas. Ne me permets pas d'aller avec moi. Bouge. Money come and goes, life come and goes. This life is like a wind. Le roi a fait ce qu'il fallait. Oublie le fait que ce soit ta mère et ta sœur. Si tu étais à la place du roi, tu ferais exactement la même chose. Elles doivent se trouver chanceuses d'être bannies seulement pour 3 ans. Ikem. Mais ma mère reste ma mère. Et ma sœur restera toujours ma sœur. Est-ce que tu décondamnes ce que le roi a fait ou quoi? Non, c'est pas ça. J'essaie tout simplement de dire que toutes les deux vont me manquer. Depuis qu'elles ont été chez vous, quel effort ont-elles fourni pour la maladie de ton père? C'est toi qui te plaignais ici, qu'elles ne peuvent même plus préparer pour ton père, mon frère. En tout cas, moi, ça m'enchante. Ikem, comment? Hein? Comment ça? Écoute, mon frère, tu dois oublier cet attachement émotionnel, oui. Oublie ça, ne soutiens pas le mal. On allait lui lancer des pierres si j'étais le roi. Je m'en vais. Ikem... Salutation, longue vie à vous, votre majesté. Je vous salue, mes sujets. Merci, votre majesté. S'il vous plaît, asseyez-vous. Papa, elle c'est la grande sœur Akugo. Et elle, grande sœur Chinemere. Lui, c'est Ikem. Je t'avais parlé à propos d'eux. Tes amis sont de belles demoiselles. Je vous avais dit, papa. Merci, votre majesté. Bienvenue encore une fois de plus. Ma fille m'a raconté tout ce que vous avez fait pour elle. C'est pour cela que j'aimerais remercier chacun d'entre vous pour l'amour, le soutien et les gestes de gentillesse. Le plus grand est que vous lui avez montré l'amour sans savoir qu'elle est d'une famille royale. C'est ça le bonheur d'être bien. Une fois de plus, merci beaucoup. Merci, votre majesté. Ikem, n'est-ce pas? Oui, votre majesté. Ma fille m'a raconté comment tu puisais de l'eau pour elle. Juste pour te rassurer qu'elle ne souffre pas. Merci beaucoup. Merci, Majesté. À moins que tu décides de rester avec tes parents. Tu es à présent membre de ce ménage royal. Merci, votre majesté. Merci beaucoup. Merci pour votre grâce. Vous êtes très gentil. Merci, majesté. Merci. Je vous en prie, s'il vous plaît, mettez-vous. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup à manger et à boire. Entrons et célébrons. Merci. Je vous en prie. J'apprécie toutes les deux, mais je ne peux pas les épouser toutes. Papa, elles sont des amies. Et épouser tous les deux va me faire du bien. Il faudra que je consulte l'oracle et que j'aie la permission des dieux. Comme un enfant, le mariage ne signifie rien pour toi. Mais ça a deux faces, la bonne et la mauvaise. Papa, l'oracle n'a rien à voir avec notre décision. Ok, bien. Entre les deux, qui préfères-tu? Qui est-ce que je préfère? Tu sais quoi? Qu'elle vienne juste le prochain jour ouvrable. Je sais quoi faire. Ok. Avez-vous vu ce que la vie nous donne? Hein? Une fille qu'on appelait bâtarde. Juste parce qu'on l'a laissée entre tes mains. On la consolait toujours, n'est-ce pas? On lui donnait à manger et on essuyait ses larmes. Juste ces actes de gentillesse nous a emmenés jusqu'au palais. Et aussi, non seulement ça, nous sommes assis en mangeant avec le roi Obiefuna, l'un des meilleurs rois dans ce monde. C'est vraiment une grâce. Et mon Dieu. Mon père me disait toujours de ne pas prendre part au plan des ténèbres. Et c'est simplement n'a cessé de résonner en moi. C'est toujours une bonne chose de faire le bien. Ezioko, regarde, j'ai déjà rassemblé mes bagages pour aller vivre au palais. Hey, Ikem. Ikem. Et moi-même. Et vous savez, cette vie est pleine de leçons. Oui, c'est la vérité. Vous voyez? Si tout simplement ma mère avait écouté son frère, je suis sûr qu'en ce moment, elle sera la meilleure amie du roi. Hein? Mais une chose est sûre, après l'expiration de ce bannissement, elle et Orima doivent avoir beaucoup appris. Je crois. Ikem, tu es déjà prêt? Chap, chap. J'en ai pour une minute. Tu l'écoutes. Oh, attends. J'ai appris une information dans une source crédible que le roi veut vous envoyer à l'étranger pour aller apprendre. C'est de ça que tu veux parler? Tu as bien entendu. En fait, c'est la vérité. Et vous voyez ce pagne sur moi? C'est mon premier cadeau venant du roi. Donc, pour le moment, Ikem et moi serons dans le palais. Donc, à chaque fois qu'il y a une célébration, c'est nous qui serons en charge de tout. Hein? On va régner comme des princes. Ikem, fais vite. Viens. Le temps s'en va. Vous l'excitez. Ah bon, la vie est devenue très belle. Je te dis. Tu vois celle-là. Regarde comment tu es jolie. Ma princesse. Ah oui. Je suis la princesse. Bien sûr, tu es princesse. Tu n'as pas tort. Ah oui. Salut ma princesse. Oui. Le roi a besoin de vous. Ok, j'arrive. Merci. Grande sœur Chinemere et grande sœur Akugo, je reviens. Pas de problème. Je ne peux épouser nulle d'entre elles. Je dois épouser la demoiselle dont je t'avais parlé. Mais papa, comment tu as soudainement changé? Tu m'avais demandé de les inviter. Maintenant, elles sont là. Qu'est-ce que je vais leur dire? Sont-elles au courant de notre décision? Non. Bien. Nous allons manger, boire et elles vont partir comme toujours. Mais papa... pourquoi ces changements brusques? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Car tu m'as donné une condition si difficile. Je ne peux pas épouser deux personnes au même moment. Ça ne s'est fait nulle part. Mais papa, j'aime tous les deux. Je veux qu'elles soient à mes côtés. Écoute. Le mariage est plus profond que ce que tu peux voir. Ok? Laisse-moi épouser l'une d'entre elles. Ça n'empêchera pas l'autre de venir. Elle fait déjà partie de cette famille. Et je vais me rassurer qu'elle trouve un bon mari et elle va continuer de se jouer de la royauté. Ok papa, fais ton choix. Bien. Va me prendre leur bracelet. Leur bracelet? Oui, dis aussi à l'un des gardes de t'aider à avoir 2 feuilles de plantain. Ok papa. Grande sœur Goko et grande sœur Chinemere, je peux avoir vos perles demain? C'était de perles royales. Attendons. Je suis là, papa. Tu connais la propriétaire de chaque bracelet, n'est-ce pas? Oui, papa. Bien. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Tourne. Non. Ouvre tes yeux. Qu'est-ce que je vais prendre? Je prends celle-ci. Tu as vu? Prends celui-ci. À qui appartient ça? C'est les bracelets de Chinemere. Ok, très bien. Soulève l'autre là. Et ça c'est pour Akugo. Ok, va les rejoindre. Hein? Dis-leur que j'arrive. Mais papa... Juste va. Ok. Merci. Bientôt, le roi va vous rejoindre. Ok. Longue vie à vous, votre majesté. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci, votre majesté. Il y a de cela un temps que je parle avec ma fille concernant ces sujets. La vérité est que elle vous aime, vous deux, beaucoup. Mais elle veut que je puisse vous épouser, vous deux. Mais je ne pouvais pas lui accorder ça car le mariage est au-delà de ce qu'elle voit en tant qu'enfant. Moi, le roi Obiefuna Anekwe, le 4e, est décidé de prendre Chinemere comme femme. Maintenant, je demande, Chinemere, veux-tu m'épouser et être la reine de ce royaume? Vas-y, dis oui, dis oui. Vas-y, dis oui. Oui, votre majesté. Oui, votre majesté. Je t'en prie. Merci, votre majesté. Tu es heureuse maintenant, n'est-ce pas? Je suis contente que les choses tournent comme ça. On ne pensait pas avoir une relation avec la famille royale. Mais nous avons eu à manger avec le roi. Juste parce qu'on avait vu la pauvre petite fille et on avait décidé de l'aider. Chinemere, mon ami. Chinemere, mon ami, est une très bonne personne. Et je sais que les dieux seront avec elle. Et elle va devenir la reine de ce royaume. Merci, votre majesté. Je t'en prie. Moi et mon futur mari serons toujours le vrai ami à la famille royale. Ah, grand Gogo, es-tu marié? J'ai un proposé. Nous avions déjà parlé du mariage, c'est juste qu'il n'est pas dans ce royaume. Je suis intéressée par ce mariage. Oui, en fait, j'aimerais voir ton futur mari. À part la remise de la dot, toutes les autres cérémonies auront lieu ici au palais. Merci, votre majesté. Merci, votre majesté. Vous êtes tellement gentille. Je t'en prie. Merci, votre majesté. Je vais l'emmener ici dès qu'il sera de retour. Merci. Merci, votre majesté. Je suis très reconnaissante à vous, votre majesté. Adamo! Ah, Nam! Nam. Je suis finalement content que tu es une princesse. Vraiment? Adama est maintenant la princesse de notre royaume. Nam, allons là-bas. Salut mon roi. Je suis content de te voir en bonne santé encore comme avant. Je vous remercie, vous et ma fille Adana. Je t'en prie. Une fois de plus, j'aimerais te remercier beaucoup pour tout ce que tu as fait pour ma fille. Pour te montrer ma gratitude. 1. Je ferai de toi le Chief Red Cap. 2. Mes terres de ferme des Utumubo, y compris tous les animaux qui y vivent, t'appartiennent maintenant. Votre Majesté, vous avez vraiment essayé pour moi. Si ce n'était pas à cause de votre intervention, je ne pourrais rien faire. Que votre règne demeure pour toujours. Ici... Tu es content, hein? Votre majesté. Tu es content, c'est même clair là, c'est tout clair. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, papa. Merci. S'il vous plaît, allons célébrer.